Tendance Foot vous est présenté par Tadao. Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes. C'est compris avec votre place. Plus d'infos sur tadao.fr. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Oui, oui, ils l'ont fait, les joueurs du Racing Club de Lens. Ils l'ont fait, le Racing Club de Lens est donc qualifié en Ligue des Champions 21 ans après. On va accueillir la Dream Team qui sont chauds bouillants, vous en doutez, comme vous tous, qui est en train de nous regarder. Hein. Bienvenue dans Lens Foot, l'émission. Votre émission 100% Racing Club de Lens, vous le savez ici, c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Vous êtes déjà très très nombreux à être dès le début de l'émission fidèles au rendez-vous, fidèles à votre rendez-vous du lundi soir. Nous sommes le 29 mai, il est 19h38, on est tous en transe, on est tous fatigués, on a tous un peu la voix cassée, c'est normal. Il y en a un qui est très fatigué, je vous le dis tout de suite, je vous le dis en amont comme ça, s'il bafouille, on va pas lui jeter la pierre. Bonsoir Norman Noisette. Bonsoir tout le monde. Bon, Norman, je vais pas te demander comment ça va. Ah, forcément, c'est un petit nuage. J'ai une petite voix, on dirait que j'ai fumé de 12 paquets de gitane ce week-end. Je ne suis pas. On dirait que tu reviens d'un festival en Roumanie. Exactement. Désolé. Après 22 heures de bus et 3 jours non-stop de fiesta. Il est là, notre Charlie Tange. Ah. Salut. Comment il va ? Salut à tous. Charles. Bah très bien, très très bien, super bien même. Et t'es au soleil là, tranquille. Ouais, je suis devant la maison. J'ai décidé de me mettre à l'extérieur parce que sinon on m'entend pas très bien. Il y a pas énormément de réseau, j'habite à la campagne donc. T'es très bien. Ne bouge pas, tu es beau comme un dieu, un dieu grec. Oh, ah j'adore. J'adore. Tu es magnifique. Bon lui il est pas beau comme un dieu. Je le dis tout de suite. Notre Rémi Buzine. Comment il va mon Rémi? Ah bah déjà, il n'a pas de son, donc c'est bien, tu n'as pas paramétré. Donc toi, tu vas te prendre un carton rouge dès le début, toi. Ah, allez, attends, il a mis la petite chemise et tout, franchement, non. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met un carton rouge ou pas? Non, moi, je suis pour le... Regarde, Charlie, là, Charlie fait des grands signes. Ouais. C'est les supporters qui vont dire. Vous avez 30 secondes pour nous dire. Je laisse la parole aux supporters ce soir, c'est du grand n'importe quoi, on s'en fout. Vous nous dites, c'est vous qui décidez. Carton rouge, oui. Tais-toi, tu te tais. Tu te tais. Carton rouge ou pas carton rouge. C'est à vous de décider. C'est parti. Vous avez 30 secondes pour savoir si Rémi Buzine est expulsé 2 minutes ou pas. On y va. On regarde les commentaires. Vous allez voir, ça va vite arriver. Le premier. Ça y est, c'est bon. Non. Alors, Johan nous dit non. Non, voilà, les gens sont tolérants, on est. Okay. Merci d'avoir un peu de tolérance dans cette émission et de ne pas céder à la dictature de Cyril Jamais. Voilà. Merci à vous les gars, voilà, ça fait plaisir.
Bon, non, Arfro qui fait non, pas de carton. Voilà. Bon, ok, ok. Bon, tu as de la chance, tu as de la chance que moi j'étais prêt à dégainer, hein, je te le dis tout de suite. Et je suis en pleine forme, hein, parce que j'étais en train de le dire justement en parlant tout seul, du coup. Mais, ouais, mais je m'en fous. Je te poser la question, on est en grande forme aujourd'hui, j'imagine toi aussi. Bah, bien évidemment, on est tous un petit peu fatigués, mais on est tous en très grande forme. Dis mon Charles, est-ce que tu peux mettre ton. Bah, déjà, tiens, hé, c'est pas moi qui l'ai expulsé. Rémi Buzine a disparu. Je vous jure que j'y suis pour rien. Ouais, mets-toi bien à la verticale, à l'horizontale, pardon. Mon cher, comme ça, c'est mieux. C'est parfait, okay. Mon collègue. Bon. Ne change rien. Bon, les amis, ils l'ont fait, Norman. 21 ans après, le Racing Club de Lens revient donc en Ligue des Champions. Je ne sais même pas par où commencer, tellement c'était magique. Ouais, alors ils ont fait le taf déjà sur le terrain, on en parlera un peu après, mais ouais. Match sérieux, on n'en doutait pas, mais on avait tous en soi quand même ce petit truc, tu sais, ce petit 3 Lens de 2007, ce petit restant de Lens-Brest pour la montée qui était là, et... C'était voilà, mais très vite les joueurs ont mis le paquet, ça a joué, ça a été sérieux. Il y avait une fête avant le match, et ça a été très chaud pendant le match. Franchement, moi j'ai pris un plaisir monstre. On revient en Ligue des Champions. Le club a fait le taf après match avec les festivités. Franchement, c'est une très belle soirée, c'est une vraie réussite. Charles, comment tu l'as vécu cette soirée historique et mémorable? Bah déjà. Déjà, j'étais super content parce que j'estime que c'est la récompense de tout un groupe qui a très bien travaillé depuis quelques années, qui est aussi orchestré par un chef de projet, j'ai envie de dire, Franquès, qui a fait un super boulot. Et en fait, j'ai vraiment eu le sentiment que le club a changé d'air. Les festivités que j'ai vues en fin de match, après ce match-là face à Ajaccio, c'est aussi exceptionnel et c'était vraiment à la hauteur de ce qu'est le club aujourd'hui, quoi. Ouais. Rémi, on était en train de se dire, mais quelle est ta réaction, ta première réaction comme ça, un petit peu à chaud, quelle était ta première réaction quand tu étais à Bollaert et que le coup de sifflet final a retenti et que ça y est, c'était officiel, on était qualifié pour la Ligue des Champions? Alors d'un côté, ce qui est pas mal, c'est que comme il n'y a pas eu trop de suspense pendant le match, on a eu le temps, je pense, de faire monter l'émotion. C'est pas la même chose que quand tu marques le but à la 94e minute où tu as l'emballement, comme tu peux voir sur certaines rencontres. Donc on a eu le temps de se préparer à cette émotion-là. Mais moi, c'est pas le coup de sifflet final, finalement. C'est l'hymne de la Ligue des Champions. C'est là où tu réalises, là. Quand il commence à avoir les artifices, tu commences à entendre cette hymne dans le stade Bollaert. J'ai repensé à tellement de choses. Et le premier truc auquel j'ai pensé, c'est le 3 Lens de 2006-2007. Ah ben. Oh putain, non, la même. Oh mais oui. putain. Mais oui Charles, mais oui, j'ai pensé à ce match-là parce que... Toute l'année, moi j'ai pensé à cette Ligue des Champions et c'est vrai qu'on la perd à la dernière journée, je crois, au profit de Toulouse. Et là, tu te dis 15 ans après, tu l'as. Moi, j'ai jamais vécu avec des champions avec Lens 2001-2002. Je ne suivais pas encore le Racing. Ma première saison, c'était 2003-2004. Donc, il y a eu plus d'années compliquées que de belles, d'ailleurs. Donc, oui, à ce moment-là, c'est une émotion qui est immense. Enfin, tu as les frissons, tu as les larmes aux yeux. Enfin, je pense, comme beaucoup de gens, il se passe quelque chose. Tiens, justement, on est en train de parler de Ligue des Champions 2002. Est-ce que vous vous souvenez du dernier, alors Charles, forcément, parce que tu y étais. Est-ce que vous vous souvenez du dernier match du Racing en Ligue des Champions en 2002 là? J'ai pas révisé. Enfin, on n'a pas révisé. C'est pas Porto, non? Non. Porto, c'était. Attends. Non, Porto, c'était l'Europe. On était reversé. En Europe, ouais, c'était reversé. Vous pouvez répondre à. Pana? Non, vous qui nous regardez, dites-nous un petit peu, le 13 novembre, c'était un mercredi 13 novembre 2002, le Racing Club de Lens se déplaçait et jouait un match contre, exactement, c'était le Bayern de Munich, 3-3, bravo, ouais. Bravo Rémi, 3-3. Et alors regardez, j'ai ressorti les compos d'équipe de l'époque. Regardez-moi ça, vous allez voir. Alors, on avait notre Charles.
Charles Itange, qui était sur le banc des remplaçants, parce que c'était Guillaume. Charles, comment tu... Raconte-nous un petit peu en quelques secondes ce match contre l'ogre munichois. Bah, déjà, c'est trop marrant. Bah, franchement, moi, quand je suis arrivé dans le stade, déjà, pour une compétition pareille, j'avais 20 ans à l'époque. Non, j'avais 18 ans, 19 ans à l'époque, et j'ai vu ça avec des grands yeux. C'est dans l'ancien stade du Bayern, le stade olympique, je crois que ça s'appelait. Et c'est vrai qu'on avait préparé ce match-là en se disant, écoutez, c'est le dernier match, et essayons au minimum de ne pas perdre. Et ça s'est plutôt bien enchaîné derrière, parce qu'à l'époque, il faut rappeler que le Bayern, c'était quand même un rouleau compresseur impressionnant. Ouais. C'était énorme. On a vu, on va remettre la compo. Regardez, c'était quand même assez marrant de voir que on avait donc Utaka, Morera, Dan, il était là. T'avais Sibersky, t'avais Blanchard. Vous souvenez, Charles, tu te souviens qui a marqué là dans les buts? Qui a marqué les buts? C'est marqué sur l'écran. Hein. De quoi? Où est-ce que c'est marqué? Bakary, ah, oui. Blanchard. Blanchard, Bakary. Ah merde! Ah bah merde! Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai, c'est juste. Oh, quel couillon! Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu. Putain, la question con. Mais Bakary, je m'en souviens de son but. Ça va être la seule fois où il a marqué, donc en même temps, tu t'en souviens. Oh non! Putain. Ouais, t'avais Guillaume Varmus qui avait marqué contre son camp. C'était, ah ouais, c'était à juger. Eh les gars, je vais me Guillaume Varmus. Je me désolidariser là, je me désolidarise. On attaque pas les copains. À la 18e minute, le 2-0 munichois, ouais. C'était, le but était attribué à Guillaume Varmus contre son camp. Ouais. Et ensuite, tu avais un autre, le 2-1, c'est Fink, le munichois qui marque contre son camp, à Torstein Fink. Et puis ensuite, tu as Bakary à la 54e. Et Jocelyn Blanchard qui finit à 3-3 à la 90e minute, hein, d'un but de la tête. Ouais, ouais, ça rappelle de bons souvenirs, ce fameux match Ligue des Champions. Ah, on va donc pouvoir, Cyril, le revivre. D'ailleurs, je voulais féliciter aussi Jocelyn pour sa montée en Ligue 2 là, avec Dunkerque. Ils ont eu une saison difficile et je l'ai croisé au match retour. On s'est fait bisous, mais ensuite. Après le match, vu qu'ils avaient perdu, je pense qu'ils les avaient laissés à 9 ou 10 points. Ah, il a fait un petit peu la gueule, hein, ce qui est normal, mais je vais les féliciter quand même. Ils ont fait une deuxième partie de saison spectaculaire. Ouais. Et c'est bien pour la région. La région football qui est les Hauts-de-France avec cette montée de Dunkerque. Bon, les amis, on va regarder ce classement qui fait rêver. Eh oui, regardez-moi ça. On est donc deuxième, ça y est, c'est officiel, 81 points, c'est quand même incroyable. 37e journée, 81 points. Norman, c'est quand même 81 points, tu te dis. Le RC Lens dépasse donc les 80 points pour la première fois de son histoire, tout championnat confondu. Non mais tu dois être champion sur les 30 dernières années. Moi, je ne sais pas s'il y a déjà un mec qui a eu 81 points qui n'a pas été champion. Mais surtout, je regarde, je veux savoir si 8 points, ça suffit pour que les Marseillais cliquent pas au scandale ou comment ça se passe? On se dit que ça s'est joué sur 2-3 cartons jaunes et un pénalty non sifflé. Bon, non, je vais être sûr parce que 8 points, on va en remettre encore 3 la semaine prochaine, donc du coup, on causera. Non, moi, ce qui m'impressionne, c'est, rappelez-vous l'émission qu'on fait ici, quand on reçoit le LOSC, on sait qu'on est à un tournant de la saison, on est quasi égalité. Et regardez aujourd'hui l'écart qu'il y a, il y a 15 points, ça mesure le chemin parcouru, et Lille a gagné hein, depuis, mais ça mesure le chemin parcouru quand même en quelques mois par cette équipe. Hein. Ah, c'est phénoménal, Rémi. Et je prolonge un peu parce que j'étais en train de regarder justement ce que tu disais Norman sur le nombre de points pour être champion, tu prends Bordeaux qui avait été champion en… Alors Marseille par exemple, 2009-2010 c'était 78 points. Bordeaux, c'était 80 points. 2006-2007, Lyon, c'était 81 points. Donc en fait, quasiment chaque année, avant l'arrivée du Paris Saint-Germain, quand tu avais ce nombre de points-là, t'étais champion de France. Donc la performance, là, aujourd'hui, avec 81 points, au-delà d'être en plus historique dans l'histoire du club, c'est un nombre de points qui fait de toi normalement un champion de France. C'est vrai que là, bah, maintenant, ça a changé parce que tu as le Paris Saint-Germain qui est là et ça change un peu la donne parce que bon, bah, voilà, ils sont champions, même s'il n'y a que 3 personnes à l'aéroport pour les attendre pour fêter le titre, mais ils sont champions quand même.
Ouais. Vous nous regardez en direct, bien évidemment, sur Facebook, sur YouTube. Vous likez, hein, les amis, et abonnez-vous, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance. On va parler de ce record. Regardez, encore un chiffre qui tombe, qui nous vient de notre ami Laurent Mazur, Database, Excellence Database. 715 397, c'est le chiffre du jour. Hein. Bollard historique. Hey. Bollard de Lelys a accueilli 715 397 fans cette saison, soit un record dans son histoire. Et s'il y avait plus de place, tu aurais pu mettre le million. Hein. Oui, aisément. Et ceux qui étaient autour du stade, on était en ville avec Rémi, on s'est croisés avant match. Et franchement, moi j'ai croisé plein de gens qui m'ont dit « Mais moi je suis venu juste parce que je voulais vivre ça et je repars parce que malheureusement j'ai pas de billets ». Mais il y avait un monde en ville, c'était de la folie. Et effectivement, 715 397, si on pouvait, on aurait, je pense, tapé le million, mais alors aisément. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, vous qui nous regardez, de ce fameux chiffre 715 397. Dites-nous si vous y étiez d'ailleurs à Bollard pour ce lance. Ajaccio, Stacy, tiens, qui nous met un petit message sur YouTube qui dit « Je veux un Bollard de Lelys agrandi ». Tiens, j'en profite pour vous dire que demain, parce que c'est cette question d'agrandissement de stade, on en parlera et on posera directement la question. Demain, on a une émission exceptionnelle, 19h45, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 20h30, émission exceptionnelle. Notez-le sur vos agendas, soyez là demain avec deux invités exceptionnels, Arnaud Pouille et Monsieur Grégory Thiel. Ils viendront répondre à nos questions et à vos questions. Vous serez là, donc vous pourrez commenter et poser vos questions à ces deux artisans de ce renouveau lensois. Tiens, d'ailleurs, en parlant de renouveau, en 3 ans, les amis, hein, quel destin. 3 ans seulement pour emmener ce club en Ligue des Champions, Charles. Ouais, mais il fallait juste que le club soit en capacité de remettre en place une nouvelle stratégie, un organigramme clair, et je trouve que entre ce qu'a fait Guidolfi avant, Francaise, enfin, la sélection des profils pour que ça corresponde à son plan de jeu, tout a été très très bien mené, et surtout j'ai vraiment eu l'impression également qu'il y a eu une espèce de continuité malgré le départ de Guidolfi. Le club a su très vite rebondir parce que c'est souvent la période en plus qui est charnière dans une saison et où tout peut se jouer. Donc, ouais. C'est-à-dire que c'est de toute façon ce qui s'est passé cette saison pour le club, c'est la juste récompense au vu du travail fourni à tout étage, à tous les niveaux. En plus, Norman, ils ont réussi à construire ce renouveau avec des garants, avec des joueurs garants de l'état d'esprit. Je nommerais que, par exemple, Sotoka, Grady Leka. J'allais dire, mais même, on peut même inclure Fortes, parce que le garçon, il a toujours été là, son contrat se termine, il va nous quitter, et il a toujours été dans l'esprit. Ça veut dire qu'il n'a jamais triché, il a toujours, si on l'avait appelé, je pense qu'il aurait répondu présent. Malheureusement, il y a eu cette blessure contre Dijon qui l'a vraiment handicapé pour revenir au plus haut niveau. Mais c'est ça, et tu as construit ton effectif autour de gens qui sont des gens qui ont un vécu, qui ont une histoire et qui arrivent, qui sont des revanchards. Ce sont des gens qui ont connu la galère du football et qui savent apprécier ce que c'est aujourd'hui d'être deuxième de Ligue 1. Et je ne pense pas que ces gens-là se barreront pour aller gagner 20 000 ou 30 000 euros de plus. Et en plus, tu es venu agrémenter avec des joueurs qui ont ce profil-là. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est refuser à prendre certains joueurs qui, je pense, techniquement et au point de vue compétences pures, étaient peut-être meilleurs que ceux qu'on a recrutés, mais qui n'avaient pas du tout l'état d'esprit pour rentrer dans ce groupe. Et tu fais le choix d'un état d'esprit qui, aujourd'hui, ta force numéro une, c'est pas les individualités. Alors oui, on l'a vu dans l'équipe type de Ligue 1, quand t'as la colonne vertébrale de Ligue 1 qui est saluée et qui est lensoise, ça aide. Mais pour autant, moi, je prends toujours l'exemple d'un Sotoka, d'un Gradit. On peut prendre l'exemple d'un Thomasson. C'est pas des joueurs qui sont d'un top niveau incroyable, mais par contre, dans ce collectif, ils se subliment et ils sont indispensables. Mais top niveau, j'ai envie de te dire, si, ils sont top niveau, mais mentalement, mental, c'est les mecs qui sont ensemble, au top niveau. Dans ce système. Ouais, c'est ça. Au niveau de la mentalité, c'est sans reproche, Rémi. Ce résultat, c'est quand toutes les planètes s'alignent. C'est-à-dire, c'est un travail qui a commencé il y a 6 ans. Je vais dire presque au lendemain de ce fameux Lens-Brest où il y a l'envahissement de terrain qui, au final,
ces défaites consécutives, elles ont permis un changement parce qu'il fallait un changement de gouvernance. Il fallait vraiment mettre un gros coup de pied dans la fourmilière parce que, bah, faut le dire, à l'époque, c'était le bordel dans ce club. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans ce club et qui ne travaillaient pas pour les intérêts du club. Comme dirait quelqu'un auparavant, l'église a été remise au milieu du village, clairement. Parce que, voilà, il y a eu un travail phénoménal qui a été mis en place par Arnaud Pouille, par Joseph Ougourlian, par Éric Roy aussi au début, hein, qui a commencé le travail en tant que directeur sportif et qui avait insufflé quelque chose. Ou Florent Gisolfi, même avec tous les reproches qu'on peut lui faire à juste titre aujourd'hui, a fait un travail assez, assez important par la suite. Et puis Francaise, enfin Francaise exceptionnel, je pense, l'homme de la situation. On va en parler tout à l'heure de Francaise, on va en parler tout à l'heure de. Ouais, on en parle un petit peu après, mais. C'est 6 ans de travail incroyable, la cellule de recrutement aussi, de réussir aussi avec des budgets beaucoup moins importants à faire des bonnes pioches. Je veux dire, aller convaincre des joueurs comme Openda, qui était très sollicité l'été dernier, de venir à Lens, de réussir. Et je pense que c'est la pierre angulaire du projet, parce que ça a été un grand signe à l'époque, c'est un Seko Fofana. Et puis finalement, au fur et à mesure des années, on a vu cet effectif s'étoffer. Moi, je me souviens de la première année, quand on était dans Lens Foot, on parlait beaucoup de cette manque de profondeur de banc. Ou par exemple, ben on se retrouvait avec des joueurs et qui n'ont pas démérité, hein, mais je veux dire, quand il y avait un changement sur le plan offensif, tu faisais rentrer un joueur comme Corentin Jean. Aujourd'hui, ouais. Tu fais rentrer Fulgini, par exemple. Ouais. Fulgini qui était à l'époque inaccessible pour Lens. Donc, tu as quand même une profondeur de banc qui s'est... qui est beaucoup plus consistante avec le temps, d'une équipe aussi qui a appris à jouer ensemble, et puis sans rentrer sur le travail du coach parce qu'on en parlera plus tard, mais d'avoir réussi à faire progresser des joueurs comme Grady, comme Sotoka, qui sont aujourd'hui devenus des très bons joueurs de Ligue 1. Et on se souvient, Sotoka, comment il s'en prenait plein la gueule par les supporters en Ligue 2 parce que il y avait des problèmes de finition. Aujourd'hui, c'est début de cette année aussi. Ah bah, je peux dire que tout cela est en début de cette année aussi. Je peux dire que tout cela, Norman, là, ils se taisent. Hein. Là, je peux dire qu'on les entend plus. Alors là, moi, je cherche. On les entend plus. Je suis pas assez ordonné, j'aurais dû garder toutes les captures d'écran, tout ça, parce que le nombre de mecs qui m'ont envoyé des messages pour dire « Mais Sotoka, c'est une pompe à vélo, jamais il fera quoi que ce soit, il faut le dégager, parce que il marque pas. » Il est dans les 10 joueurs les plus décisifs du championnat en termes de création d'occasion. Il y a une stat qui était sortie il y a pas très longtemps, et c'est un mec, moi je repars avec lui l'année prochaine à la guerre. Hein, mais bien évidemment. Dans mon sac à dos. Et j'aimerais juste souligner, parce que vous le recevez demain, le boulot fait par Arnaud Pouille, parce que pour le coup, moi, pour l'avoir côtoyé pendant ces 4 dernières années de manière régulière, c'est un mec qui moi, je l'ai dit une fois, il n'y a pas très longtemps, il va falloir lui mettre une statue le jour où il partira, parce que il a fait, le sale boulot, c'est-à-dire qu'il y a eu un plan social, faut pas oublier quand même. Hein. Ouais. Il y a eu un plan social au club, il y a des gens qui ont été licenciés, qui ont perdu leur boulot. Ensuite, il a restructuré ce club et il en a fait une machine. Aujourd'hui, ça va trop vite. Clairement, parce que le plan de marche, il n'était pas aussi avancé d'un point de vue sportif, mais il a répondu présent. C'est un bourreau de travail, c'est un mec brillantissime et c'est quelqu'un de très humain. Et c'est lui qui a insufflé, c'est lui qui a choisi de faire venir tous ces gens, Gisolfi, Benjamin Parot, qui est aujourd'hui un des top communicants, et Francaise. Voilà. Donc, il faut saluer aussi le boulot fait et vous lui passerez le message demain. C'est que c'est un des grands artisans aujourd'hui du fait que l'on soit là. Et c'est un mec de l'ombre, on le voit jamais. Hein. Il est très rarement en interview, il est très rarement sur le plan de la scène. Donc voilà. Il sera là demain avec nous à 19h45. Si vous venez juste d'arriver, je vous le rappelle, Lens Foot spécial Arnaud Pouille et donc Grégory Thil. Mais t'inquiète pas, compte sur moi. Je lui transmettrai le message comme quoi tu peux pas le blairer. Compte sur moi. Oh, il le sait. Bon, on va ouvrir le dossier. Charles, Norman et Rémi, que beaucoup de supporters attendent. On va ouvrir le dossier Francaise. Déjà, félicitations à lui pour son titre, bien évidemment, de meilleur entraîneur de Ligue 1. Regardez, c'était donc ce week-end. Alors, le trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022-2023 a été attribué à monsieur Francaise. Francaise, architecte de cette sublime saison lensoise avec la qualification directe pour la Ligue des Champions grâce à un collectif et un état d'esprit exemplaire. Voilà, grosse fierté. Et donc Rémi, tu vas nous détailler tout ça, tu vas nous expliquer parce que tu y étais à cette remise et tu étais très bien placé puisque tu les as côtoyés. Tu leur as même parlé et on va écouter la première réaction de Francaise après donc ce trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. Franck, une petite réaction, voilà, meilleur entraîneur de Ligue 1 en l'espace de 3 ans, Lens qui passe de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. Ben voilà, c'est Lens qui passe de la Ligue 2 à la Ligue des Champions et moi qui ai la chance d'être l'entraîneur de ce club.
et de remettre ce club au plus haut niveau. Mais ça, c'est une grande fierté, évidemment. Mais voilà, je vais pas avoir une réponse bateau, mais c'est la seule vérité, c'est que c'est un travail qui est éminemment collectif. Et il y a beaucoup de gens depuis 3 ans, certains sont encore là, beaucoup, et certains sont partis, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour ça. Bon, avant de rentrer dans la partie avenir de Francaise, parce que ça aussi, il y a eu, voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre, j'aimerais qu'on revienne quelques secondes sur le parcours de Francaise, sur ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Voilà, on n'arrête pas à chaque semaine de louer tout ce qu'il fait de bien. Norman, Charles, est-ce que tu le connais, Francaise ? Non, je ne le connais pas. Mais par contre, j'en ai eu que des très, 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 très j'en ai eu que des très bons retours. Parce que, ouais, de très bons échos, parce que Alou avait bossé avec lui lorsqu'il était au Racing Club de Lens. Et c'est vrai qu'il m'en a dit beaucoup de bien. Ouais. Norman, l'homme Francaise. L'homme, c'est quelqu'un d'exigeant, c'est un bosseur. Et je pense que pour expliquer ce qui est en train de se passer peut-être et pour se projeter un peu sur la suite de l'émission, c'est un revanchard aussi, c'est quelqu'un qui arrive sur le tard, quand même sur le devant de la scène, avec une équipe professionnelle de Ligue 1 et qui a vu passer pas mal de ses copains devant lui peut-être et avancer. Donc non, c'est un mec brillant, c'est un mec qui a une vraie culture foot et surtout qu'il y a des vraies convictions. Alors, quand ça marche, eh ben, on dit que c'est un génie et il est récompensé à juste titre. Quand ça ne marche pas, c'est quelqu'un qui doit rester aussi dans ses idées, dans ses conceptions du football. Et parfois, ça sera certainement difficile parfois, mais c'est quelqu'un qui est fidèle à ses idées. Et aujourd'hui, tant mieux pour Lens. Moi, je me souviens que quand il est arrivé, ça avait un peu choqué parce que ce n'était pas du tout l'époque, il y a 3 ans et demi, de dire « Ah putain, on va jouer pour attaquer » et que quand on gagne 1-0 à la 70e, on va faire entrer un attaquant pour remettre la pression plutôt que de bétonner derrière. Et bon, voilà, donc c'est quelqu'un, bien évidemment, d'extrêmement brillant et qui, on l'espère, sera Lensois le plus longtemps possible. Alors justement, oh là là, quelle passe décisive, magnifique. On va ouvrir le dossier Francaise et son avenir. On a tous lu les déclarations qu'il a faites donc, après le match. On les voit à l'écran. Voilà. On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. On va réfléchir tranquillement. Je n'ai pas dit que ça s'arrêterait. Je dis juste qu'il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Il faut mesurer les choses. Est-ce qu'on peut continuer aussi bien, voire mieux, pour l'interrogation, je ne sais pas. Je suis dans un club où je suis très heureux, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et de regarder ce qui peut se passer. Vous en doutez, quand ça, c'est parti dans les médias, ah, c'était une bombe. Tous les supporters ont commenté. On vous a mis, tiens d'ailleurs, un petit sondage sur la page YouTube de Lens Foot. Faut-il craindre un départ de Francaise à la fin de saison ? Pour l'instant, eh ben, vous êtes plutôt serein. 78% à dire non, oui. Seulement donc 22%. Forcément, ben, je vous pose la question, messieurs. Petit tour de table, on y va. À votre avis, est-ce que Francaise sera coach du Racing Club de Lens la saison prochaine ? Oui ou non ? C'est parti avec Norman Noisette. Oui. Charlie Tange. Oui. Rémi Buzyn. Oui. Voilà. Bon, bah, il n'y a aucune inquiétude. Ah, bon, terminé. Dites-nous, les supporters, là, vous qui nous regardez, vous nous dites en commentaire, est-ce que selon vous, Francaise sera coach ou pas ? Est-ce que vous êtes inquiet ou pas ? On ira prendre la température tout à l'heure. Tu peux remettre la phrase, parce qu'il y a une petite interprétation, je pense, de la part de tout le monde quand il parle de sollicitation. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il parle de lui-même. Hein. Alors, je pense qu'il parle des sollicitations de son effectif. Et l'enjeu va être de la capacité de Lens à garder ses joueurs. Ou en tout cas, c'est son ossature. Quand il dit « j'ai pas dit que ça s'arrêterait », je dis juste qu'il peut y avoir des sollicitations. Mmh. Il y en a déjà, il faut mesurer les choses, etc. Est-ce qu'on peut continuer ainsi ? Il ne parle pas de lui. Hein. Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès ? Est-ce que c'est parce qu'il est loin d'être idiot et il maîtrise un peu sa communication ? Moi, je n'ai pas le sentiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi ou Charles, mais je n'ai pas le sentiment qu'il parle de lui quand il dit « il y a des sollicitations ». Ah bon ? Charles ? Non, mais moi je pense que là en fait, si je pense qu'il parle également de lui. Hein. Sincèrement, je pense qu'il parle également de lui, mais il a envie de rester dans un club dans lequel je pense qu'il ressent beaucoup d'amour. Il y a aussi le fait d'avoir des joueurs qui sont complètement acquis à sa cause. Et les sollicitations, effectivement, elles sont valables.
certainement pour lui, mais elles sont également valables pour les joueurs qui ont brillé cette année. Il ne faut pas en plus cacher. Là, je trouve que là, en fait, il a les coups des franges simplement pour demander ce qu'il veut à la direction. On parle souvent de la durée de vie d'un entraîneur qui est entre, je crois, c'est 18 mois. Et c'est un peu plus longtemps qu'il est là. Et là, c'est peut-être pour lui le bon moment, un, de mettre un coup de boost à sa carrière, mais aussi un bon moment de demander ce qu'il veut à la direction. Voilà. D'imposer, en tout cas, quelque chose à la direction. Rémi. Ah, ce qui est... Ouais, alors, sur le fond, moi, je pense que le... Cette... Ce que va dire Franquet, c'est intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'on aura l'occasion peut-être de le soulever un peu plus profondément après sur le passage du club, comment il va grandir, etc. Mais oui, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce club, il a grandi de façon spectaculaire, que tout est fait en sorte depuis 5-6 ans maintenant pour que ça monte, mais que tu n'étais pas prévu à aller en Ligue des Champions. L'objectif, même s'il était plutôt caché, il n'était pas dit publiquement. Je pense que la première fois on entend Franquez parler d'Europe, c'est début janvier dans une interview où il dit « voilà, j'aimerais bien avoir aussi des matchs en semaine ». Mais jusque-là, c'était un peu une ambition cachée, mais en même temps qui permet aussi d'enlever la pression, parce que la pression, jusque maintenant, elle n'était pas sur Lens, elle était sur les adversaires qui ont des budgets beaucoup plus importants et où pour eux, c'est budgété qu'ils soient européens. Ce n'était pas prévu pour Lens. Donc Lens, aujourd'hui, il se retrouve en Ligue des Champions. Et puis, bah, de se dire que ouais, c'est des matchs qui pompent énormément d'énergie, qu'il faut aller en Ligue des Champions en n'étant pas figurant. Et puis Franquez, je pense qu'il a aussi une vision du football qui est très posée, très sereine. C'est de se dire que tout va très vite. Aujourd'hui, voilà, il est sur un piédestal devant tout le monde. Bon, il pourrait même avoir une statue à Bollard où je pense qu'il y aura des gens qui seraient là à déposer des fleurs, etc. Enfin, bien sûr, mais... Dans le foot, ça va très vite. Il suffit que l'année prochaine... Prenons un exemple. Lille a été champion il y a 2 ans. Ils ont fini 10e l'année d'après. Ça veut dire que ça peut aller très vite aussi dans l'autre sens. Ouais. Et Franck, il a tout à fait raison d'avoir besoin de garanties. Les garanties, c'est quoi? C'est de savoir conserver les cadres de l'effectif. Et c'est de savoir aussi renforcer ce groupe. Parce qu'en Ligue des Champions, si tu fais un zéro pointé et que tu es ridicule, bah, oui, ça se retournera dans l'autre sens. Et puis, ça peut, après, derrière, engendrer un mauvais mood, le championnat, etc., où tu n'as plus la même force derrière. Donc, bah après, tous les coachs qui se qualifient comme ça en Ligue des Champions, ils veulent tous la même chose. Ils veulent tous avoir le meilleur effectif. Ils veulent tous, ils demandent tous à leur direction. Ouais, s'il vous plaît, faites-moi un vrai recrutement. Ne laissez surtout pas partir tel ou tel joueur. Mais bon, après, est-ce que, donc ça, on va en parler. Est-ce que le club va être capable quand de tu tout es Marseille, ça quand tu es Marseille et que tu as 200 millions d'euros de budget, c'est un peu différent. Là, aujourd'hui, tu as quand même une problématique qui est que tu as 62 millions d'euros de budget. Tes ressources, et vous en parlerez demain soir, ce sera très intéressant parce que tes ressources, malheureusement, elles sont quand même assez limitées en termes de capacité de progression parce que en billetterie, bah, tu es au taquet toute l'année, en sponsoring, tu es au taquet, en VIP, tu es au taquet. Sur tes ressources principales, les droits télé, tu vas prendre le taquet parce que tu es deuxième, donc à moins de budgéter une première place, tu peux pas espérer prendre plus que ce que tu vas prendre cette année. Donc, tu es un petit peu coincé au niveau des ressources. Et là, ça va être une vraie question, c'est que tu vas pas construire un effectif demain pour une année de Ligue des Champions. C'est-à-dire que si tu fais venir des joueurs demain avec un standing un peu plus important et des niveaux de rémunération beaucoup plus élevés, tu les signes pour 3, 4, 5 ans. Et tu n'as pas les ressources pérennes aujourd'hui pour aller chercher ces joueurs. Ouais. Parce que tes joueurs, tu les fais venir, si en fin d'année, tu finis sixième et que tu n'as plus tes 32 millions qui tombent, tu vends à l'arrache et tu te retrouves dans un cercle vicieux qu'on a connu tous dans le passé, où tu te retrouves à devoir vendre pour équilibrer ton budget. Et là où ça va être intéressant, c'est que Franquez met un peu la pression, un peu à Joseph, pour dire il va peut-être falloir remettre au pot, malgré le fait qu'on soit en Ligue des Champions, qu'on va prendre 32 millions. L'actionnaire minoritaire, il va peut-être falloir qu'il arrive un peu plus vite que prévu pour rentrer dans l'actionnariat et amener du cash. Et surtout, il va peut-être falloir un peu porter ses couronnes pour dire comment on fait. Parce que moi, je peux dire qu'au club, il y a quelques semaines, l'idée n'était pas la flambe. Hein, c'était de dire, effectivement, on ne peut pas embaucher demain. Le salaire à Lens ne permet pas. Un joueur comme Klos aujourd'hui ne reviendrait pas à Lens. Son salaire, on n'est pas capable de le payer. Donc, il va falloir s'aligner avec tout ça parce que les sollicitations vont arriver. Si on veut garder les 4 ou 5 gros cadres qui sont très sollicités, il va peut-être falloir reprolonger peut-être ceux qu'on a déjà prolongés cet hiver. Justement, Arnaud Pouille l'a déclaré, Norman. Hein. Arnaud Pouille a annoncé ne pas vouloir laisser partir trop de cadres. Non, mais c'est clairement, c'est l'enjeu. Mais est-ce que tu es capable demain de dire on fait passer des joueurs à 300 000 ou 350 000 euros par mois, ce qui n'existe pas à Lens, quand tu sais que tes ressources ne te permettront pas
de le payer. Si tu n'as pas, là, tu vas prendre 32, 35 millions avec la Ligue des Champions. Donc, tu sais que tu es quand même plutôt tranquille. Mais tu gères pas ton club pour une année. Hein. Charles, à ton avis, tu vas avoir une ribambelle de joueurs qui vont venir taper, là, si ce n'est pas déjà fait, à la porte ou leur agent en disant, les gars, va falloir revoir mon contrat maintenant. Ah mais ça y est, ils ont déjà appelé, hein, très certainement, déjà avant le match face à Ajaccio. Je veux dire que le téléphone, il a dû sonner, hein, du côté de Lens. Et puis, effectivement, là, le truc, ce sera, je pense que c'est aussi pour ça que Franquès, je pense, a voulu botter un petit peu en touche et mettre un petit peu le doute dans l'esprit de tout le monde quant à sa future présence sur le banc du club la saison prochaine. Parce que, effectivement, il va falloir renouveler l'effectif, il va falloir le renforcer. Comment, avec quels moyens, quels profils vont être ciblés? Est-ce que le club sera en capacité de lui offrir ces garanties-là? Alors là, c'est aussi une interrogation qu'il doit certainement avoir. Et c'est vrai que je trouve un petit peu au-dessus de l'euphorie de l'accession en Ligue des Champions, de la qualification en Ligue des Champions, parce que au final, il donne une réponse qui est oui, j'ai envie de rester, mais pas à n'importe quelle condition. Et pour un entraîneur qui aujourd'hui a des résultats, il a le droit de le faire. Alors c'est peut-être pas beau pour ceux qui veulent le voir rester, mais c'est le jeu. Ouais. Et Rémi, si tu rentres aujourd'hui, peut-être sur, je sais pas si on peut rentrer dans la liste, peut-être plus mercato, mais c'est de se dire justement, on prend un peu le recul de se dire qu'aujourd'hui, Lens avait l'ambition d'une qualification européenne. Mais voilà, c'est la deuxième place avec des champions. C'est merveilleux parce que c'est même au-dessus des espérances, c'est incroyable. Mais là, aujourd'hui, tu te retrouves face à un tournant. C'est-à-dire que tu vas avoir des joueurs beaucoup plus sollicités que l'année dernière. Parce que quand tu finis deuxième, c'est pas la même chose que septième. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui regardaient des joueurs de Lens l'année dernière, qui les mettaient en deuxième, troisième position sur leur shortlist. Parce que si tu finis septième, il y a aussi des raisons que tu finisses à cette place-là. Là, tu as fini deuxième, donc il y a des joueurs qui ont aussi franchi un cap. Donc, tu vas te retrouver potentiellement avec des offres qui vont être très difficiles à refuser. Donc, qu'est-ce que tu fais quand demain, tu as un club italien qui propose 35, 40 millions d'euros sur Openda, 30 sur Kevin Danso, et c'est des offres qui pourraient se multiplier dans les prochaines semaines. Je parle pas d'informations précises, hein, parce que pour l'instant, il y a rien de tout ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement potentiel quand on voit la saison collective, mais surtout individuelle de certains joueurs. Là, aujourd'hui, c'est que tu te retrouves avec un projet qui va peut-être plus vite que ce qu'il était attendu, et c'est comment tu arrives à faire atterrir le club pour la suite. Donc, garder des cadres, et puis aussi de recruter des joueurs qui vont s'inscrire toujours dans le projet. Parce que là, des agents qui vont appeler pour proposer des joueurs, tu vas en avoir plein, et même des noms, on va entendre des noms. Oulala, ouf, exactement. Est-ce que c'est forcément ça qu'on veut aussi? Parce que, ok, individuellement, il y a des noms qui vont nous faire rêver, mais c'est de garder ce collectif. Qu'est-ce qui fait la force du Lens depuis quelques années? C'est ce collectif, c'est des joueurs qui s'inscrivent dans la durée dans le projet du Racing Club de Lens. C'est comment t'évites de faire en sorte que ta masse salariale, elle s'enflamme et que tu ne saches pas quoi en faire derrière. Parce que, par exemple, imaginons là, tu as des possibilités de mettre, pourquoi pas, des salaires très élevés, même si tu veux le faire, parce que tu as la Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu ferais signer un joueur à 300 000 euros par mois sur 4 ans. Imagine l'année prochaine, t'as pas de Coupe d'Europe. Norman, justement, c'est que tu te retrouves avec des joueurs que tu traînes pendant 4-5 ans, avec des salaires qui sont peut-être pas justement au standing du club si tu redescends un peu après, et des joueurs qui vont peut-être aussi s'accrocher à leur salaire, comme on a connu il y a 15 ans, quand tu faisais signer un Keita à 120 000 euros par mois. Le gars, il est resté à Lens pendant des années parce que derrière, il perce pas et il s'accroche à son contrat. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter parce qu'après, tu rentres dans un... Le club le fera pas. Ils sont suffisamment intelligents pour ne pas le faire. Charles. Non, mais en plus, dans un vestiaire, ça parle. Hein, et un joueur qui touchera 300 000 euros, s'il vient d'arriver, les autres qui étaient là dans le vestiaire avant lui d'ailleurs, vont aller aussi réclamer la même chose. Ah, c'est un coup à faire péter le vestiaire. Ça va créer un certain déséquilibre. Bien sûr, sauter le vestiaire si c'est mal géré. Justement, à votre avis, tiens, qui sera très demandé? Qui est pour vous les joueurs les plus bankable là, pour ce prochain mercato qui arrive? Samba, qui est demandé ou qui partira? Non, demandez. Qui sera les joueurs les plus sollicités? La liste, tu peux la faire. Hein. T'as Openda, Openda, Fofana, Danso, Kevin Danso, ça va énormément plaire en première ligue. Hein. C'est vraiment le profil exceptionnel. En plus, à 25 ans... Voilà, Medina, Danso, Samba,
Samba, moi je pense que Samba, il va avoir, je peux te dire que Charles, Brice Samba, tiens, on va ouvrir la page Brice Samba, parce que franchement, s'il vous plaît, excusez-moi, mais on va déjà lui tirer un énorme coup de chapeau. Meilleur gardien de Ligue 1. Écoutez, c'était ce week-end et on a été fiers. Vidéo. Alors le trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022-2023 est attribué à monsieur Brice Samba. Retour gagnant pour Brice Samba après 3 saisons hors Ligue 1. Il contribue à emmener le RC Lens en Ligue des Champions avec ses 15 clean sheets sans avoir manqué une minute en Ligue 1 cette saison. Chapeau. Dites-nous, vous qui regardez l'émission, dites-nous comment avez-vous trouvé cette saison extraordinaire de Brice Samba. Brice Samba, donc réaction au micro de Rémi Buzyn. C'était hier. Enfin, hier. Ce week-end. Brice, raconte-nous, il y a quelques instants, tu viens de recevoir le trophée de meilleur gardien de Ligue 1. Voilà. C'est quoi ta première impression ? Fier. Beaucoup de fierté, honnêtement, parce que... Ça n'a pas été facile et voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Voilà, en plus hier avec la deuxième place confirmée, ce soir le trophée, c'est plus que magnifique, c'est un week-end parfait. En tout cas, c'est beaucoup de fierté et merci à mon Dieu parce que voilà, ça, comme beaucoup de gens le savent, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, j'en suis très très fier. J'y étais hier à Bollard et j'avoue que j'étais ému aussi, parce que je porte Lens. Ouais. Justement, entendre l'hymne de Ligue des Champions à Bollard, c'est quand même quelque chose, quoi. Bien sûr, c'est vrai que ce club le mérite tellement, de par ses supporters qui n'ont jamais rien lâché, même en Ligue 2, qui ont toujours été là au quotidien. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux durant ces 15 dernières années, mais voilà, pouvoir ramener l'Europe à Lens dès l'année prochaine, c'est tout simplement incroyable et on est très très fiers de tout ce qu'on a réalisé. Un petit clin d'œil. Voilà. Très belle réaction de notre Brice Samba. Charles, en tant que gardien, quand t'as une récompense comme ça, meilleur entraîneur de Ligue 1, il arrive. Pense à Rémi Vercoutre, pardon. Ouais. Merci. Ah oui, pensais. Merci. Ouais, non, mais... La bise, Rémi. Ça se passe de commentaires. Après, il est obligé de prêcher pour sa paroisse, hein, c'est son gardien qui était... Non, attends, hé Charles, on en a parlé la semaine dernière, le mec, même si t'es entraîneur d'un autre gardien, il n'y a même pas de débat, tu peux pas dire une énormité pareille. Non, dis-moi, moi ce que je voulais savoir, quand on connaît les sacrifices que Brice Samba a fait, parce qu'on rappelle d'où il vient, Première Ligue, le mec, il fait une saison extraordinaire avec Brentford, si je dis pas de conneries. Il monte ? Non, c'est Nottingham. Nottingham. Il fait une saison, il est meilleur gardien là-bas. Ils lui font c'est un championship, c'est en deuxième division. Ouais, ouais. En D2. Ouais. Ils lui font il lui propose un contrat en or, le mec il refuse, il vient à Lens. Ouais, non, mais déjà, il était 3 ou 4e, je ne sais plus, avec Mandanda à l'époque, et déjà, on me disait derrière, il y a quelque chose, vous n'êtes pas prêts, les gars, ça va piquer. Et puis. Il est donc parti jouer. Il a fait la décision d'aller jouer. Et je pense que ce qui lui a fait du bien, c'est son départ en Angleterre, parce qu'il s'est retrouvé dans un environnement qu'il ne maîtrisait pas. Il a dû s'adapter. Et surtout, ça lui a permis de progresser en tant qu'homme. Moi, quand je vois ses interviews, généralement, il dégage la même chose. J'ai l'impression de voir la même chose que ce qu'il est également sur le terrain. C'est-à-dire un gars calme, posé, et qui ne se prend pas pour un autre. J'ai eu la chance de le rencontrer, moi, après le match face à Lille. J'avais commenté le match pour le live du club. Et en fait, Putain, c'est une force tranquille, quoi. C'est une force tranquille. Et puis aussi, il est très bien entouré. J'ai parlé avec son papa, qui m'avait dit qu'à l'époque, on avait joué l'un contre l'autre. Bon, ça m'a mis un coup quand même. Ah, tu te prends un coup de vieux dans la gueule. Non, mais j'ai pris une tarte. Mais ce gardien est sur cette année en tout cas, c'est sa première année, toujours l'année de la confirmation qui est la plus difficile, mais il a été exceptionnel. Pas bon, il a été exceptionnel. Et je vous dis pas ça parce que c'est un Lensois et qu'il y a une certaine affiliation lensoise, mais franchement, je l'ai trouvé tellement fort.
tellement serein, tellement constant, tellement concentré. Et surtout, je ne l'ai jamais senti paniquer, même lorsqu'il a eu deux matchs un petit peu moyens, mais il n'a jamais été mauvais. Il a été moyen, mais jamais mauvais. Et sur cette saison, franchement, il a été vraiment exceptionnel. Messieurs. De par le style, mais aussi dans sa personnalité. Peut-être saluer le parcours incroyable. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur qui perce au Havre, hein, qui va faire quelques bons matchs en Ligue 2 et qui va arriver à Marseille dans l'ombre d'un Steve Mandanda et qui, au final, certains lui voyaient prendre la succession. Puis finalement, Mandanda va faire toute sa carrière à l'OM. Il va se retrouver bloqué année après année et il va jamais jouer quasiment. Et quand il part, il va ensuite partir à Caen où je crois qu'il va descendre en Ligue 2. Il va vivre une saison qui est très compliquée. Et ouais. C'est en Angleterre qu'il va vraiment réussir à franchir un cap, mais à franchir un cap en deuxième division. Donc, c'est-à-dire qu'il se retrouve à 26-27 ans en D2 anglaise. Donc, à ce moment-là, c'est un peu le même parcours que Jonathan Clauss, de se dire, est-ce que, imaginez un gardien qui a qu'une saison pleine en Ligue 1, qui va percer 3 ans plus tard, être deuxième de Ligue 1, être en équipe de France, bah, c'est inattendu aussi. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui a énormément progressé sur le plan mental. L'Angleterre lui a fait énormément de bien. Et c'est vrai que dans ce club à Nottingham, moi je me souviens l'année dernière quand il y avait les premières rumeurs d'arrivée de Brice Samba, on disait c'est 5 millions d'euros, qu'est-ce qu'on va chercher un gardien à ce prix-là en D2 anglaise. Et il avait fait une saison extraordinaire. Il y avait juste à regarder les commentaires des supporters, qui en général sont très sévères en Angleterre, qui vénéraient ce gardien. Tu voyais ses performances et tu disais ouais, c'est pas mal du tout. Alors il y a toujours une notion un peu de pari parce qu'après derrière il faut passer le cap, il revient en France, il y avait quelque chose derrière. Mais c'est un joueur qui a pris le choix de venir à Lens alors qu'il pouvait découvrir la Première Ligue, ce qui est quand même le rêve pour beaucoup de joueurs, hein, avec des conditions salariales qui, je pense, et c'est même sûr, étaient beaucoup plus avantageuses qu'à Lens. Forcément, le choix de Lens, de revenir en France, de faire des concessions salariales, et voilà ce que ça donne derrière. Meilleur gardien de Ligue 1, c'est mérité, il a été exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, si on est deuxième, je pense que Brice Samba a été chercher les points qu'il fallait, le point à Lille, le point contre Lille, qui aurait pu faire basculer les choses, peut-être aussi psychologiquement, où il arrête la balle. Je crois que le gars de Lille, il tire à 200 km/h. Le gars, il arrête avec une main, alors que n'importe qui, on s'en serait prudent. tu vois le truc, l'arrêt c'est comme dans Marseille aussi, avant la mi-temps. Ça, c'était comme dans Olivier Tom, le dessin animé, quoi. Mec, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Tiens, Céline qui fait. Tiens, on va aller faire un petit tour du côté des commentaires. Samba, c'est le Barry White. Des cages de foot, un dieu. Ouh là là, Samba apparemment, elle est Céline, un petit crush sur Brice Samba. Hein, il est arrivé en couple hier, donc désolé. Attention, sa femme. Non, il a sa femme qui est pas très loin. Attention. Elle était là hier, donc voilà. Et puis une belle dame. Eric qui nous fait, c'est notre Bryce de Lens, notre Samba, futur numéro 2 de l'équipe de France. Dylan sur la page Facebook. Ouais, même mieux peut-être. Ouais, bah quand tu vois la saison qu'il fait, je pense que si la saison prochaine il confirme encore. Ouais. Je veux juste lui envoyer un petit message, moi, qu'il n'oublie pas, parce qu'on a fait une comparaison avec le jeu de Jonathan Clauss. Qu'il ne fasse pas une Jonathan Clauss. Donc voilà. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Fasse une deuxième saison à Lens, qui confirme, c'est très bien. En parlant de Ligue des Champions, on va se projeter, les copains, sur le possible tirage au sort. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite en amont, on fera une soirée spéciale Ligue des Champions. On en parlait tout à l'heure avec Norman en amont, là, juste avant l'émission. On fera une soirée Ligue des Champions. On le vivra en live, donc sur Lens Foot. Et comme ça, on pourra commenter et donc passer une belle soirée entre potes, entre supporters. Donc, on vous tiendra au courant, bien évidemment, de la date. Donc, quel tirage au sort? Alors déjà, on va regarder. Regardez, on a les chapeaux, là, déjà, qui commencent à se faire. Chapeau 1 pour le moment, sûr et certain, Manchester City, FC Barcelone, Napoli, Bayern Munich, PSG et le Benfica de Lisbonne. Chapeau 2, Real Madrid, Manchester United, le Borussia Dortmund, l'Atlético de Madrid, le RB Leipzig, le FC Porto et donc Arsenal. Chapeau 3, Salzbourg, Milan AC, la Lazio et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis donc dans le chapeau 4, on sait dorénavant, il y a donc l'Union Berlin et le RC Lens. Ça peut donner, on en parlait la semaine dernière, ça peut donner un Bayern, Real, Arsenal, RC Lens. Charles. C'est la Ligue des Champions. De toute façon, il ne faut plus regarder qui t'a en face. Tu sais que tu rencontreras que des grosses équipes. Il ne faut pas s'attendre à jouer Sedan. Une chose est sûre, c'est que
que tu rencontres Napoli, Benfica, que j'ai commenté toute l'année, et c'est, ça fait peur. La Lazio qui renaît de ses cendres également. Même l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est une équipe qui a l'habitude de jouer cette compétition, t'auras pas de petits matchs. Là, messieurs, tiens, on va faire un petit délire pour vous. Là, qu'est-ce que voilà, vous aimeriez qui avec ces équipes-là? La poule du Racing, on y va. Ah. Norman. Moi, c'est le cœur de supporter qui va parler. Donc, Naples, dans un premier temps. Ensuite, le Borussia. Et ensuite, l'Étoile Rouge. Ok. Rémi. Barcelone pour le kiff. Dortmund, voilà, la rencontre avec les supporters. Et Salzbourg pour se laisser quand même une chance de finir troisième. Charles. Milan AC. J'aimerais bien Manchester United et le Bayern. Ah ouais, Bayern, Milan, Manchester United. Ouais, moi, je mettrais Napoli. Napoli, je mettrais bien un petit Arsenal. Napoli, Arsenal. Et effectivement, comme Rémi, je mettrais bien le Salzbourg pour se dire, allez, on essaye d'être troisième. Et de se qualifier pour la Ligue Europa, parce que je le rappelle, si on allait en Ligue Europa, bon, voilà, t'as un truc à jouer très sérieusement. Vous nous dites, tiens, Benoît qui fait Barça, Dortmund, Milan, Lens, le kiff. Ouais. Ah, putain. Ouais. Benjamin, c'est beau, Barça, hein. Barça, Dortmund, Lazio, dites-nous un petit peu quel est votre pool idéal, vous supporters qui nous regardez sur Facebook et sur YouTube. Camille, lui, il aimerait bien City, Dortmund, Lazio. L'ambition, clairement, pour vous, une troisième place pour être versée en Ligue Europa. Oui, je pense que objectivement et de manière mesurée, on va dire que aller chercher une troisième place, ce serait déjà un exploit vu notre coefficient UEFA. Et puis être versé en Europa League, ça permet peut-être d'espérer de refaire 2-3 tours et d'avoir un peu de vibrer un peu et pour le club de continuer à grandir. Donc ouais, troisième, ce serait une belle réussite. Ouais. Bah, plus que 2-3 tours, enfin, je vais citer en Ligue Europa, franchement, oui, quand tu vois ce qu'on a été capable de proposer comme jeu cette saison, moi j'ai regardé la Ligue Europa, franchement, bon. Ouais, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Rémi. En conservant les cadres et en recrutant, oui, je pense, ça c'est sûr. Mais, une troisième place, c'est l'ambition du Racing la saison prochaine en Ligue des Champions. Ah oui, puis alors déjà, je pense, c'est de faire honneur aux couleurs du Racing Club de Lens. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est même face, imaginons, au Barça, c'est pas de s'écrouler, c'est de montrer voilà, les valeurs du club, de montrer une équipe qui a du beau jeu, qui sait tenir face à des grands sans s'écrouler. Donc ça, je pense que ça va être aussi un vrai test important. Puis oui, après, c'est difficile à évoquer la troisième place ou la deuxième ou je ne sais quoi d'autre sans avoir la poule. Parce que au final, tu peux avoir des poules très favorables et d'autres qui te disent que ça va même être compliqué de finir troisième. Mais c'est vrai que à minima, la troisième place, c'est quand même quelque chose parce que l'Europa League, ce serait fabuleux. Alors l'Europa League, c'est vrai que même le truc de 2-3 tours, faut quand même rester mesuré parce que l'Europa League, ça devient une mini Champions League quand même. J'entendais hier qu'il y avait des gens qui voulaient Liverpool dans la poule de Lens en Ligue des Champions, mais Liverpool est en Europa League, par exemple. Ouais. Donc, voilà, ça montre qu'il y a un très bon niveau. On a vu les demi-finales. T'avais la Juve, Séville, c'est du lourd. Hein. Effectivement, il y a des belles équipes, mais toutes les équipes, tous les clubs ne jouent pas vraiment le jeu encore en Ligue Europa. C'est ça le problème, c'est que les gros clubs... Malheureusement. Et puis attends, Liverpool, ils ont tellement l'habitude de Ligue des Champions, tu crois qu'ils vont être aussi motivés en Ligue Europa? C'est pas sûr. Mais tu peux avoir quelques... Après là, ce qu'il c'est faut, moins bandant pour eux. Ce qui est bien, c'est que si tu vas en Europa League, t'as le mois de janvier pour ajuster au niveau du mercato, parce que là, tu te dis que tu te rajoutes peut-être 2, 4, 6 matchs, donc il faudra recruter. Après, il y a une donne qui est quand même importante pour l'année prochaine, c'est qu'il y aura quand même 4 matchs de Ligue 1 en moins. On l'oublie quand même, mais la Ligue 1 passe à 18 clubs l'année prochaine. C'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose de pas mal, parce que ce qui va vraiment être un enjeu pour Lens l'année prochaine, c'est la récupération. Et il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Voilà. Saison, mais en plus. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas mal, même si on sait dans tous les cas que même si tu supprimes 4 matchs de Ligue 1, la Ligue des Champions, c'est quand même aussi une emprise psychologique qui est énorme, parce que c'est sûr que une ou deux semaines avant, t'es dans tes matchs-là, et je pense que ça risque de peser peut-être encore un peu plus sur Lens que peut-être d'autres clubs qui ont cette habitude-là, mais c'est une donnée quand même à prendre en compte dans ta profondeur de banc pour l'année prochaine, pour pouvoir réussir à avoir des joueurs qui puissent faire la Ligue des Champions, et puis aussi le week-end, quand tu vas faire tourner un peu, avoir une équipe qui tient la route.
Charles, quand on joue la Ligue des Champions, forcément, ce que disait Rémi, là, ça psychologiquement, on est usé. Très, très usé. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'il sera important de recruter malin lors du prochain mercato, parce que certes, il y aura moins de matchs en championnat, mais ce qu'il faudrait pas faire, c'est galvauder une des deux compétitions au final. Est-ce que ce serait pas parce que tu veux pas être ridicule en Champions League, donc tu fais jouer tes titulaires, et du fait que tes titulaires aient joué en Champions League le mardi ou le mercredi, tu devrais les reposer pour le week-end et en faire jouer d'autres. Donc, à un moment donné, l'effectif risque d'être un peu petit si tu recrutes pas. Mais c'est clair que c'est vraiment très 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 pesant, très épuisant psychologiquement. Ouais. Bah, c'est pas simple. Et t'imagines, le mercredi, tu joues par exemple le FC Barcelone au Camp Nou, et le dimanche à 17h, tu vas aller jouer Clermont-Ferrand. Ouais. Et tout en sachant que la saison prochaine, de par le classement auquel tu finis cette année, en étant deuxième, toutes les équipes vont t'attendre. Hein. Ouais. Donc l'appréhension des matchs ne sera pas les mêmes. La Ligue 1 va être compliquée l'année prochaine. Hein. Plus bataille pour toi. Faut se remettre dedans, hein. C'est vraiment ça l'impact psychologique, même encore plus que physique, parce que oui, tu te dis, tu peux jouer à Barcelone le mercredi, quand tu vas te remettre au déplacement à Clermont le week-end, c'est pas évident. Et puis après, t'as aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'on l'a vu cette année, il y avait un terme qui revient souvent dans les mots des joueurs, c'était « on est en mission ». Parce qu'il se passe quelque chose d'historique. Tu vois, les derniers résultats, enfin, je veux dire, je crois que t'as gagné tous tes matchs, sauf à Paris, et dans des circonstances où tu perds Abdoul Samed et où les 20 premières minutes, t'étais quand même pas loin d'aller faire un exploit là-bas aussi. Donc, là, tu vas être dans un truc où ça va être, l'ascenseur émotionnel sera peut-être plus rationnel. C'est-à-dire, tu resteras, j'ai aucun doute sur la motivation des joueurs, sur le fait de continuer à vouloir porter haut ce projet Lensois. Mais là, t'as quelque chose qui a transcendé, qui a porté cette équipe. Et qu'il faut le dire, c'est difficile à garder ça sur plusieurs années. L'année prochaine, t'as peut-être fragile. Voilà, c'est très fragile de réussir à redonner cette même dynamique. Donc, c'est pour ça, là, vraiment, toute la notion sur le mercato, sur les joueurs que tu vas ramener dans ce projet. Il faut pas que ce soit des joueurs qui soient que concernés par la Ligue des Champions. Parce que si t'es éliminé, après, ils ont du mal à se projeter dedans. Donc, il faut que c'est des joueurs qui soient dans une vision à long terme et qui arrivent à garder cet état d'esprit. Ce qui fait qu'aussi quelques départs, dans un sens, est très, très restreint. C'est pas non plus une mauvaise chose quand c'est très limité, parce qu'il faut aussi avoir un peu de sang neuf, un peu de renouvellement de ton effectif, renforcer ton banc, parce que là, ça va être clairement indispensable. Et là, peut-être, tu peux espérer, sur les deux tableaux, faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai vu passer de la position de Francaise. J'ai vu un message passer. Attention à la CAN également. La CAN, début d'année de 2024, si je dis pas de bêtises, 13 janvier, ouais, c'est ça, 13 janvier au 21 février, il y aura la CAN. Donc forcément, ça se rajoute à cette saison qui s'annonce. Qui partirait à Idara, Abdoul Samed. C'est Sekou Fofana. Ah, ouais, il va pas toujours, mais. Mais là, il irait peut-être. Ouais, là, t'as plus de mieux. Donc attention, ouais. C'est Thierry qui nous balançait ça sur YouTube. Attention à la CAN. Ça pique déjà. Hein. Ah, ça pique, hein. Ah bah oui. C'est clair. Donc ça, je pense que tous ces paramètres-là, Francaise les a en tête. Hein, donc c'est pas simple. En tout cas, c'est pas gagné. Vraiment, je pense que c'est pas gagné. S'il a pas de garantie, il restera pas. Ah ouais, toi t'es comme ça, toi. Toi, tu penses vraiment que s'il a pas de garantie, il restera pas. Il s'en va. Je pense vraiment que s'il a pas de garantie, il restera pas. Je pense. Ils vont lui en donner, ils vont pas. Enfin, garantie, après ça dépend ce qu'il demande, forcément, en termes de garantie. Mais ouais, bien sûr. Je pense que pour le projet Racing Club de Lens, Francaise est obligé d'être là au moins encore la saison prochaine. Parce que d'où on vient, c'est ça. Je tenais à tirer un énorme coup de chapeau, et je pense que Norman va se joindre à moi. C'est à tous les supporters qui étaient là pendant les périodes un peu moins glorieuses, on va dire. Hein. Que ces dernières saisons, quand on était en Ligue 2, exactement, au bord du National, moi je sais que quand j'étais speaker, je peux te garantir que les mecs ils étaient là. Un lundi 21 décembre, quand tu joues Bourg-en-Bresse à 21h et que tu as 15 18 000 personnes un lundi soir, ouais. Donc aujourd'hui c'est à eux aussi qu'on doit ce renouveau. Donc voilà, je tenais à leur tirer un énorme coup de chapeau. Moi j'ai pensé à ça, Cyril, je repensais à l'image de 2008. Qu'on avait vu dans Stade 2, à la fin du match Lens-Bordeaux, où on voyait les supporters en pleurs en tribune. Ouais. Et j'ai pensé à celle-là, je me suis dit, 15 ans plus tard, au même endroit, à peu de choses près, à la même date, t'as un feu d'artifice, c'est l'hymne de la Ligue des Champions à Bollard. Et c'est une belle revanche. Moi, je pense à
ces 10 années qui étaient terribles, ces Girando, ces Firas Mugrabi, Nani Zayamo, Lendrich et compagnie. Et voilà, ça nous donne la chair de poule rien que d'y penser. Désolé de citer ces joueurs-là, mais longue vie à eux. Mais franchement, c'était terrible parce que tu as vécu 10 ans qui étaient où le club a failli disparaître à plusieurs reprises, où le club avait perdu ses valeurs. Je veux dire, quand on regardait Lens, on ne voyait plus du Lens. On avait même du mépris, je pense, des fois envers cette équipe parce qu'elle ne représentait pas fièrement le blason lensois. Et là, aujourd'hui, ouais, le projet, il a repris et c'est une belle revanche. Et je pense que si le club a réussi à tenir, c'est parce que le public était toujours là. Si le public n'était plus là, le dépôt de bilan, il aurait sûrement eu lieu. Mais tu as toujours eu au moins quelques investisseurs, alors pas forcément les bons, parce qu'on a vu avec Mamadov tout ça, mais qui se sont intéressés à Lens parce que justement, il y avait encore ce public qui était là. Et si les tribunes étaient vides, je pense que le dépôt de bilan aurait eu lieu. C'est voilà, comme il y a un fort engouement à Lens, la région, les institutions, on se souvient même de l'intervention. Et on se souvient même de l'intervention de François Hollande, je crois en 2013, quand le club n'a plus d'argent lors du déplacement à Bakou, il emmène Gervais Martel avec lui. Donc, il y a eu des choses. Et je pense que si tout ça a été fait, c'est parce que Lens est une institution forte qui draine énormément de monde. Et c'est le public qui a permis ça. Et donc, il faut rendre hommage à tous ces gens qui sont abonnés, qui sont tapés des purges, des matchs contre Bourg-en-Bresse, Avignon, à se taper, à se faire mener des 3-0 à Châteauroux, enfin, des trucs horribles. Je me sens pas bien, là, j'ai une remontée dans les acides dans l'estomac. Mais voilà, de penser que l'année prochaine, on va entendre au moins 3 fois à Bollaert l'hymne de la Ligue des Champions, qu'on va découvrir des stades, qu'on va pouvoir chanter les corons dans des stades de fous. Voilà, c'est une récompense, je pense, pour ces supporters qui sont restés là pendant toutes ces années. Et c'est exceptionnel et c'est un bien fou. Et moi, j'ai vraiment pensé à ces gens-là. Et d'ailleurs, le petit Matisse, on l'a croisé parce que avec Norman et Sylvain, et de saluer le barbecue club de Lens qui nous ont accueillis ce week-end et qui ont été adorables. Et peut-être cette petite parenthèse très vite parce que il y a énormément de gens, Cyril, qui regardent l'émission. Et c'est vrai que là, on a croisé énormément de supporters, que ce soit Norman, Sylvain aussi, parce que voilà, on a arpenté dans les rues de Lens, on a essayé de humer cette atmosphère au maximum parce que c'était exceptionnel. Et il y a énormément de gens qui sont venus nous saluer en disant « Ouais, Lens Foot, c'est génial, machin et tout. » Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je tiens aussi à te le dire, Cyril, parce que tu vois, il y a vraiment eu énormément de commentaires. Voilà, et nous, ça nous fait énormément plaisir de vous croiser sur le terrain, discuter avec vous parce que voilà, on partage. Au final, si on est tous là, toi Cyril, nous en tant que consultants dans l'émission et vous à la regarder, c'est parce qu'on est passionné par ce club, je pense, avec une fibre exceptionnelle. Et voilà, et là, on vit des moments incroyables et on les partage ensemble. Et voilà, enfin, je veux dire, depuis 3 ans que tu as lancé Lens Foot, Cyril, on vit des moments de fou quand même, il faut s'en rendre compte. Hein. C'est exceptionnel. Ouais, mais après, moi, je le dis, je l'ai toujours dit dans l'histoire de Lens Foot, deux choses importantes. C'est que la première, quand je suis arrivé en talk speaker, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas d'émission, qu'il n'y avait pas un média comme ça pour parler d'un club aussi populaire. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc après, et puis surtout, après, c'est grâce à vous. Parce que moi je suis pas grand chose là-dedans, mais vous voilà, c'est vous le cœur de cette émission. Et voilà, les Charles qui nous a rejoint il y a pas longtemps. Et Charles, je me souviens, je l'ai appelé, le mec, je lui ai dit, Charles, tu peux faire, mais il m'a dit ouais, mais bien sûr. Voilà, c'est des moments qu'on passe tous les lundis. Et puis surtout à vous supporters qui nous regardez de plus en plus nombreux, et ça c'est notre meilleure récompense. Parce que oui, là on parle entre amis. Bien, oui, on aime ce club, on parle entre amis, mais le plus important, c'est de savoir qu'on est regardé et qu'on est apprécié. Oui. Il faut le dire, ça. Il faut le dire. Et ça, c'est grâce à vous qui nous regardez. Voilà, donc merci à vous tous. Merci à Rémi, merci à Norman, merci à Charles et merci à tous les autres consultants. Je le rappelle, donc demain, émission spéciale, hein, soyez là. Là, je vais vous dire, ça va envoyer. Là, je pense qu'on va faire péter le record demain. Donc demain il y aura donc Arnaud Pouille et Grégory Thiel, les deux grands messieurs du Racing Club de Lens. Ils seront avec nous dans Lens Foot, soyez là, 19h45, Lens Foot spécial avec la présence exceptionnelle donc d'Arnaud Pouille et Grégory Thiel. Vous pourrez leur poser les questions en commentant, bien évidemment, et puis on se retrouvera tout au long de l'été avec Lens Foot qui va devenir Flash Mercato. On va laisser souffler quand même quelques-uns, hein. Charles, on va le laisser un peu souffler. Charles, tu seras avec nous la saison prochaine ou pas? Tu signes? T'as signé? Ah, on l'entend plus. Bah, ça, c'est mauvais signe, les gars. C'est qu'il a pas signé son. On t'entend pas, mon poulet. Le micro. C'est pas bon, les gars. C'est signé. T'as signé, mon poulet? T'as signé? C'est bien. C'est bien. Bon, on m'a pas dit que t'avais signé. C'est bon pour moi.
On m'a dit que tu avais signé chez la concurrence. Non, mais il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Non, non, j'ai signé, mais à la baisse. Il n'y a pas de concurrence. T'as raison, il n'y a pas de concurrence. Merci mon cher, je te fais des bisous. Passez une très belle soirée à tous. On se retrouve donc demain pour une soirée exceptionnelle. Merci mon Norman, merci mon Rémi. Et puis on va se quitter bien évidemment avec ce feu d'artifice et on va encore avoir des frissons pendant plus d'une minute. La main sur le cœur, comme disait l'autre, c'est la main de, là. C'est se tromper de côté. Ah, là. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait fait ça. Qu'est-ce qu'elle avait fait ça. J'ai peur de. Regardez ce beau t-shirt. Ah, il est beau. Beau t-shirt. 90 ans du stade Félix Bollard, voilà. Et tu te l'es fait toi-même ? Non, c'était un t-shirt qui était mis en vente à l'occasion du Tifo, parce que c'est le Tifo qu'il y avait dans la tribune. Ouais, magnifique. Il était mis en vente place de la mairie avant le match, voilà. Putain, j'en ai pas, moi. Ah ben, c'est bien. Allez. Bravo aux Ultras, hein, vraiment, hein, qui ont fait un super boulot. Fabuleux super saison. Et pour l'ambiance qu'ils mettent à chaque fois, il faut les saluer, parce qu'on dit tout le temps tout liberté pour les Ultras. Avec tous les déplacements encadrés, le bordel qu'il y a à chaque fois... On leur en fait subir des choses pour vivre leur passion et ils ont toujours été là à domicile à l'extérieur, donc bravo à eux. Et je peux te dire que sans eux, le spectacle serait pas le même. Ouais. Allez, bisous à tous et on se retrouve demain pour une émission exceptionnelle. Merci à tous. On se quitte avec des frissons. Ciao.